Je passe mon temps à vous sauver. Je crois que je préfère quand vous ne m'empalez pas. Où est le Nazgûl ? Pas loin. Vous pouvez me suivre ? Je ferai de mon mieux. Ce n'était pas la première fois que vous affrontiez Helm. J'ai affronté chaque Nazgûl d'innombrables fois. Sans jamais les vaincre. Bientôt. Pourquoi vous obstinez-vous ? Quand on affronte les ténèbres, lutter peut être une victoire en soi. Pour l'heure, nous devons l'emporter. Les Drakes sont les plus dangereux. Si nous pouvions en dominer un, nous retournerions l'arme de l'ennemi contre nous. Comme un anneau de pouvoir. Vous n'apaisez pas mes craintes, Seigneur Elf. Sure.
qui arrive au Nazgûl. Leur esprit demeure. Ils retournent à Barad-dûr où ils reprennent des forces avant de retrouver une forme physique. Alors, la mort ne les concerne pas. Sa tête feront de très beaux trophées. Les traîtres tombent. J'ai tué des voix supérieures à toi. Plus fortes, plus rapides. Jouer les croix.
Vous auriez dû m'accorder sa main quand je vous l'ai demandé. Pour que votre fille revienne. Tuez-moi, et ce sera la guerre. Que la guerre commence ! Seigneur. Toi, hypocrite, tu accompagnais Sauron quand il a confié à ses rois les anneaux qui ont causé leur perte. Il devait restaurer l'ordre. Sauron m'a trompé ainsi que tous les autres. Et malgré ce que tu sais, tu as osé forger un anneau. Nous l'avons forgé. Sinon pourquoi aurais-tu pris mon marteau? Nous ne dominons pas des hommes nobles mais des orques sauvages. C'est justement cette armée qui nous permettra de défaire tout ce que Sauron a fait. Et peu importe ce qu'il en coûte. Un Drek nous aurait été utile.